cette étrange machine, que peut-elle fabriquer? Vous le saurez, mesdames et messieurs, en venant voir prochainement sur cet écran un film qui s'appelle La Belle Américaine. Vous le voyez, il s'agit d'une superproduction où des milliers de figurants traversent des paysages aussi somptueux qu'exotiques. Le dialogue est éblouissant. Oh la vache! Le comique est d'une finesse et d'une nouveauté exceptionnelles. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'un film policier. Ce n'est pas une histoire d'amour. Chérie. Ce n'est pas non plus la satire de notre monde angoissé. Oh, mais comment allez-vous, cher monsieur? Non, La Belle Américaine, c'est autre chose. Ainsi, dans ce film, vous découvrirez avec plaisir les plus belles filles du monde, vous verrez les hommes les plus séduisants évoluer dans les milieux raffinés et élégants de la haute société de la capitale et de sa banlieue. Vous retrouverez Robert Derry, l'acteur aux mille visages, souvent majestueux, parfois cynique, quelquefois cruel. Il sait aussi être tragique, mais toujours rayonnant d'intelligence et de sensibilité. Vous serez bouleversé par la tragédienne de l'écran, Colette Brosset, et vous serez ravi de revoir des comédiens dont les noms sont sur toutes les lèvres et aussi au bas de cet écran. Qu'est-ce que je dis? Je dis ce qu'il y a écrit. 509 feux. C'est-à-dire? 509 feux, ben, c'est-à-dire, c'est du lourd, ça, c'est... 5000 balles. Derry, combien il y a marqué là? 500 nouveaux francs. Mais ça fait combien? Oh, ici, je fais pas le change. On te demande pas de changer, on te demande combien ça fait. Tu vas pas nous faire croire que t'as payé cette voiture-là 50 000 balles, hein? Non, 45 000. Quoi? J'hésitais un peu, alors elle m'a rabattu 5000 francs. Oh, le montant du chèque vous étonnera peut-être. 450 nouveaux francs? Tout de même 45 000 francs. Hé, hey, 8 et 8. 16. Voilà, je tenais à vous rendre votre argent. Merci, on ne pressait pas, vous savez. Monsieur Pavillon, dites que j'étais obligé d'acheter 5 litres d'essence ordinaire. C'est moi qui ai payé l'essence. Si c'était pas trop, tu demandais, me ferais un petit billet de 5 000. Cette fois, c'est quoi que... Essayez. Alors, vieux, relax. Oh, sur où, c'est confusion. Je reviendrai voir. Il est bon, peut-être, de préciser que ce film n'est interdit à personne et qu'il est même recommandé aux enfants, à condition qu'il soit bien ça. Alors, n'hésitez pas. Venez avec confiance. Ne boudez pas votre plaisir. Laissez-vous entraîner. Vous aussi, vous courrez voir La Belle Américaine prochainement sur cet écran. Thank you.